Kamta, le commandant Kamta. Commandant Kamta, s'il vous plaît, commandant Kamta. Bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique. Nous avons l'énergie qu'il faut. Nous avons l'énergie nécessaire pour changer la situation. Ils ont réussi à nous diviser par les pays. Sinon l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Regardez la carte géographique de l'Afrique. On peut se rendre compte que oui, il fallait le diviser à l'intérieur pour ne pas qu'ils résistent. C'est cette politique qu'ils ont utilisée pour nous diviser. Et aujourd'hui, ils nous ont envoyé leur dictateur. On les a commissionnés d'aller diviser à l'intérieur de ces différents pays qui ont été divisés. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui encore du mal à se réveiller et à résister à cette division. Vous savez, la politique, c'est une politique de diviser pour régner. Le continent a été divisé et les chefs d'État qui nous ont été envoyés sont venus diviser les peuples à l'intérieur des pays. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ils en tirent les bénéfices, les profits pour construire leur nation. Regardez les États-Unis. Regardez les États-Unis. Regardez la France. C'est un seul pays. C'est un seul pays. Mais c'est l'Afrique qui a été divisée. Donc, nous disons, à bas la division. À bas la division. Moi, je me présente, je suis Coli Joseph Kandé. Je suis membre d'une coalition aujourd'hui qui se bat pour fédérer les Guinéens. Je viens de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Est-ce que vous connaissez ce pays, Guinée-Conakry? Oui. L'actuel président Alpha Condé. D'abord, il faut quand même qu'on soit très vigilant. Le combat que nous menons ici, qu'on ne se trompe pas de prendre parmi nous des personnes qui ont été forgées par ce système européen et qu'on nous envoie pour être les chefs d'État de nos différents pays. Ce serait un échec. Ce serait un échec. Il a combattu pendant 40 ans ici en France. Et nous, le pays, nous avons pensé que oui, il était là. Sur la même place, là où vous êtes aujourd'hui, là où nous sommes. Il a lutté ici. Il a dit de le faire. Mais lorsqu'il a eu le pouvoir, il est devenu un assassin. Il est devenu un sanguinaire. Et il prépare sa dictature. Il prépare sa dictature. Il ne veut pas laisser le pouvoir. Lui, autrefois, qui était parmi nous ici, pour dénoncer ses faits, aujourd'hui, il prend le chemin de la dictature. Parce qu'il n'a pas encore fini de satisfaire ceux-là qui lui ont donné tout ce qu'il fallait pour qu'il devienne aujourd'hui là où il est. Et c'est pourquoi, ce soir à 18h, il est là, à l'hôtel Raphaël. Nous allons faire un sitting. Et profitons. Demain, ce sera la cérémonie. Et tout, ce sera la cérémonie des centenaires de la France. Vous savez que c'est un événement de taille. Il y aura tous les chefs d'État. Et l'Afrique doit s'unir. L'unité que nous réclamons. Faisons demain un sitting d'ensemble pour demander l'unité africaine. Demander notre liberté totale. Demander notre liberté totale. Nous en avons marre. À part la dictature. Soutien à l'unité africaine et à bas les dictateurs. Je vous remercie. Rendez-vous à 18h. Merci camarades, merci. À propos, s'il vous plaît, pour deux minutes, c'est ma parole. L'Afrique, oye, l'Afrique, vive. Constater que je n'ai pas un drapeau sur moi. Je viens du Congo Brazzaville. Ah, moi je dois être là, je suis congolais. Mais c'est mieux ce même. Combat n'appartient plus à un pays. Mais il appartient à l'Afrique tout entière. Il s'agit d'anéantir le peuple noir. Ils ne veulent pas de nous, mais ils veulent de nos matières premières.
La France, qui a perdu toutes les guerres, a trouvé sa terre de prédilection chez les faibles, en remplaçant les gouverneurs français par les sous-préfets noirs. Et qui, au moment où nous sommes en train de pleurer ici sous la pluie, eux, ils sont en train de jubiler avec le colon. Ils disent, ce sont des présidents de la République. Est-ce que ce sont nos présidents? Non. Est-ce que nous les connaissons? Non. Est-ce que nous les avons élus? Non. Il appartient à la France de nous dire, voilà vos présidents. Non. Est-ce que vous avez imposé Macron à la France? Non. Ils ont fait un OPA. Sur nos terres, après les matières premières, viendra le tour où ils vont prendre nos terres. Mais ils n'ont rien à foutre de nous. Nous, nous pouvons mourir dans la mer. D'abord, alors, pour faire court, il y a tellement trop de pays qui vont parler. Mais je vous dis que demain, nous serons toujours ici, là, à la place de la République, toujours, demain. Parce que c'est demain que ces potentats, ces dictateurs, ces criminels et ces terroristes d'État vont jubiler demain avec le colon. Donc nous serons ici demain. À partir de midi. Merci beaucoup. Merci camarade. Grand merci. Je crois que le message est passé. Le rendez-vous. Le commandant, le commandant Kamsa. Le commandant Kamsa, tu vois d'abord, s'il vous plaît. Le commandant Kamsa, tu vois d'abord. Sans autorisation,
tournez-vous, tu sais la main de ton ami, tu lui dis, j'aime mon pays, le Cameroun, j'aime l'Afrique et je suis contre le tribalisme, faites-le. Mon ami, j'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun, faites-le ensemble avec moi. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique et je suis contre le tribalisme. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. J'aime l'Afrique. Je suis contre le terrorisme. Et je suis contre le tribalisme. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Et je suis contre le tribalisme. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Et je suis contre le tribalisme. J'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun. Et je suis contre le tribalisme. J'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun. Et je suis contre le tribalisme. Donc, à la façon de Talawa, mettre la place à la République, à Kaku Beba ou à Sassoumé Kima. Sassoumé Kim, Kaku Bumba dans ma toilette. Donc, on peut plus mettre la main. Mettre la main. Mais Beba la balle. Ya, mais Beba, vous êtes là. Mais Beba, Africa, mettez la main. Donner le pouvoir à Paul Biya. C'est tous les Camerounais qui étaient d'accord, n'est-ce pas? J'ai dit bien qu'à Aïe Dieu a donné le pouvoir à Paul Biya. Tous les Camerounais étaient contents, n'est-ce pas? Mais dites-moi, est-ce qu'on voulait savoir de quelle tribu il sortait? Alors, mais pourquoi alors aujourd'hui, quand on dit qu'on ne veut plus de lui, il dit que c'est à cause de sa tribu? Demandez à Paul Biya s'il a changé de tribu en ce temps. Demandez à Paul Biya, as-tu changé de tribu? Paul Biya, as-tu changé de tribu? Mais je vous dis quelque chose, hein. La France a sauvé Paul Biya de justesse. Dans si j'ai les yeux pourris, la France vient de sauver Paul Biya de justesse. Alors, Babio, Babio, je vais vous dire quelque chose. La musique et la coupable ont contribué à endormir notre pays, n'est-ce pas? Même les drapeaux là, on doit changer ça. Trop de couleurs. Trop de couleurs. On n'est pas des blancs, trop de couleurs. On va changer les drapeaux là. Trop de couleurs, le blanc nous a donné là. On va avoir une seule couleur, noire. Comme nous sommes noirs, on a dit. Une seule couleur en Afrique, noire, comme nous sommes noirs. Là, c'est la résistance. Trop de couleurs, de vert, de jaune, de blanc, non, tout ça. Général Mbaou, on parle. Il y a un Denis là. Ouais. Il y a un opposant Denis derrière toi. Au revoir. Ok, va te connaître, On y va. Ouais. Ouais, salut François Sassou. Dis à Sassou, dégage. Les autres, ça va. Non, les drapeaux là, on doit changer. Tous les drapeaux en Afrique. Trop de couleurs. La révolution doit commencer ici. Reconnaissez-moi.
On a commencé ici. S'ils s'offusquent pas quand les enfants meurent dans des hôpitaux, quand les femmes sont éventrées, quand des femmes se font tirer dans le dos par la police et qu'on accuse l'armée malienne, non, dis non, ils iront chanter à Etoubi, pas à Paris. Donc, pourquoi la santé a été irrécevable hier, quand tu veux sera irrécevable ce soir à Nantes, et Benzeka sera irrécevable à Rennes. Donc, tous les volontaires qui sont prêts à se sacrifier ce samedi, pour Nantes et Rennes, prennent la gauche et aillent voir le commandant Niak qui est là. On se répartit dans les voitures et on prend la route. Parce que c'est un combat qui ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. Je vous dis merci, chers frères. Soutenez-nous. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des sans-papiers. Nous sommes des personnes responsables qui travaillent. Mais on accepte de se sacrifier pour vous, pour nos petits frères qui sont au Cameroun et pour tous ceux qui viendront. Je vous dis merci. Et le général Barat sera avec moi. Donc pour les photographes, s'il vous plaît, on verra ça plus tard sur Facebook et autres. Il faut qu'on prenne la route. Tous les volontaires, vous venez sur ma gauche, on se répartit dans les voitures, il faut qu'on prenne la route. Merci, chers combattants. Préparez-vous à tricoter le 8 mars. Restez connectés, on va vous annoncer la suite. Animation, s'il vous plaît, animation. Équipe, j'appelle les gosistes. Quand on meurt, on danse, on chante, ça va pas du tout faire la peau. D'accord ? Équipe, Lengosis, rapprochez-vous s'il vous plaît. Lengosis, rapprochez-vous. Venez, rapprochez-vous. Nous devons nous lever, comme un soldat, pour libérer le Cameroun, libérer notre envie, faire un sonné. Sommes soldats pour libérer le Mali. Vous y allez là? Regardez le Mali qui est bloqué là-bas. Bon, alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais vous demander une chose. Vous savez qui sont déjà passés au Trocadéro, ils savent ce dont je vais parler. Je vais vous demander de tourner autour de cette pièce. Les gosses vont chanter, vont jouer de l'instrument. Je vais vous demander de tourner autour de cette place avec vos drapeaux. C'est important. Les gens parleront après, madame. Ils parleront. C'est jusqu'à 18h. Mais c'est important de montrer à ce monde-là que les Africains sont unis et sont en mouvement. Nous devons être en mouvement. Nous allons tourner autour de cette place. D'accord ? Les gosses, vous y allez là, vous chantez ? Mais venez par ici. Venez. Il y a un deuxième micro ou pas? Est-ce que vous avez un deuxième micro? Vous avez un deuxième micro? Équipe! Hey! L'Afrique arrive!
Qu'est-ce qu'on veut? Le KB veut, le Congo veut, NSC veut.